La terre est aride et très peu de sources d'eau existent à Katikati, village situé dans le nord de la Tanzanie. Pour la communauté Maasai vivant ici, il lui faut parfois parcourir jusqu'à 100 km par jour pour chercher de l'eau afin de subvenir à ses besoins et à ceux de son bétail. Les Maasai savent mieux que quiconque ce que manquer d'eau implique. Exacerbée par le changement climatique, la pénurie d'eau engendre des conflits avec les communautés voisines. Et combinée avec le vol de bétail et la menace des lions sévissant dans les alentours, la recherche quotidienne de l'eau s'avère périlleuse. Sion Foupi peut marcher jusqu'à 11 heures par jour pour trouver de l'eau potable pour sa famille. Puis, il y a 2 ans, elle a découvert la présence d'un point d'eau à 180 mètres sous ses pieds. Le gouvernement tanzanien, avec le soutien du Fonds international pour le développement agricole et le Fonds belge pour la sécurité alimentaire, a foré un puits ici, l'un des 26 qui ont été construits à ce jour dans le cadre de ce projet. Mais cette source d'eau est encore limitée. Pour assurer sa pérennité, un comité de l'eau a été mis en place pour planifier et faire le suivi de l'utilisation de l'eau. Ce comité fait payer aux usagers l'accès à l'eau en fonction du nombre de bovins qu'ils possèdent. Cet argent est utilisé pour financer l'emploi de pompistes formés par le gouvernement local à la réparation et l'entretien du matériel. En attendant, pour la communauté Maasai, l'accès à l'eau est un événement à fêter.